Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs, vous êtes sur Zone Art Télévision, c'est la culture de la zone. Et le plaisir est pour nous de recevoir El Churiban Chivava, artiste, musicien gospel, qui vient même à peine de lancer son album Je crois à l'impossible. À des autres carrières, il vient à peine de nous surprendre avec cet album des 17 titres. Il est avec nous, Churiban, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Zone Art Télévision. Merci beaucoup. Des ans de carrière, un album de 17 titres. Eh oui. Comment est-ce que vous avez fait pour réaliser dans... Parce que c'est vrai, il y a d'autres artistes qui prennent même plus de 10 ans avant de sortir un album avec autant de titres. Mais qu'est-ce que toi t'as fait? En fait, ce que moi je peux dire d'abord, premièrement, parce que c'est l'inspiration d'abord. Et les titres d'abord dit de l'album, je crois à l'impossible. Alors moi j'avais écrit d'abord premièrement à l'impossible. Il dit que non, je dois faire que ma carrière soit vraiment originale. Et j'avais vu que il faut que je puisse poursuivre mes rêves dans le sens de ma carrière ou bien en tant qu'artiste. Alors je me suis dit de lancer beaucoup de titres pour que ça soit vraiment du poids, que ça puisse trouver le poids. Est-ce que tu as trouvé que c'est vraiment une bonne stratégie de lancer autant de titres? Je ne vois pas que ça va prendre beaucoup plus de temps pour être connu, pour que le public découvre tout ce titre. C'est difficile de faire sortir 17 titres. Mais ce que je peux dire, si vous êtes au niveau de le faire, il faut seulement le faire. D'accord. Et oui. L'album est sorti déjà en octobre 2024. Comment est-ce que l'album a été accueilli déjà dans ta communauté d'abord? Premièrement, et les gens vraiment attendaient tant mon album parce que j'ai des fans et j'ai des gens qui me suivent. Alors ils se disaient vraiment nous sommes à la hâte de suivre ces 17 chansons. Et vraiment, quand c'était sorti, j'avais vu des réactions. Il y a des gens qui appréciaient vraiment, qui ont apprécié mes efforts. Et ça m'a donné un peu du courage encore. Voilà, l'album est disponible sur les plateformes de streaming. Bien sûr. Jusque-là. Et puis, jusque-là, il n'y a aucun clip qui est disponible. Non, il n'y a aucun clip qui est disponible. C'est parmi tes stratégies de laisser d'abord les audios avancer avant de sortir les clips. Et oui, c'est comme ça. Voilà. Alors, parle-nous un peu de « Je crois à l'impossible ». Avec ce titre, tu t'es inspiré vraiment de ta vie? T'es inspiré de la vie de quelqu'un d'autre? Ou comment? Et clairement, comment est-ce qu'on peut croire à l'impossible? Et en fait, ce que c'est impossible devienne une réalité? Eh oui, en fait, croire à l'impossible, d'abord, il faut se poser la question, qu'est-ce qui signifie impossible? Et en fait, pour nous les hommes, nous voyons que l'impossible, c'est quelque chose qui est... Donc ça ne peut qui pas peut se pas produire, réalisé, oui. C'est sûr. Eh oui. Mais pour Dieu, il n'y a pas d'impossible. Parce que lui, il peut faire tout ce qu'il veut et que ça devient en fait possible. Mais pour ouais. nous les humains, ouais. selon notre conception, nous voyons que non, ça ne peut pas être. Ça ne peut pas être possible. Alors j'ai mis les titres « Je crois à l'impossible » et j'ai trouvé l'inspiration de « Je crois à l'impossible ». Parce qu'il y a trop de gens qui ne croient pas à l'impossible. D'accord. J'ai illustré des exemples comme Bartimée aveugle, il avait crié à l'impossible. Bon, il ne savait pas en fait, il a crié seulement. Parce que le problème c'est de croire. C'est sûr. Il ne savait pas comment il va commencer à voir, ou bien la femme à la perte de sang. Il ne savait pas comment il va retrouver en fait la guérison. Mais il a crié seulement. Simplement, il a dit que non, je crois à ceci. Est-ce que tu as une expérience? Une expérience sur l'impossible, quelque chose que tu croyais que ça ne peut jamais être réalisé, mais en fait ça s'est réalisé. Et oui, j'ai beaucoup d'expérience. D'abord, premièrement, je commence pour cet album. Vraiment, c'était impossible même pour moi-même de croire que 17 chansons, faire sortir 17 chansons, vous voyez. Mais par la grâce de Dieu, parce que j'ai vu la main de Dieu dans cet album, oui, c'est Dieu qui a fait en sorte que ça soit. D'accord. Oui, oui. Voilà, tu as juste 2 ans de carrière professionnelle. Bien avant, tu chantais ou tu étais juste un amoureux de la musique? Et oui, j'ai chanté. J'étais tout, mais j'ai chanté surtout. Inspiré par quelqu'un? Inspiré par Dieu.
Bien sûr, par Dieu. Par Dieu ? Eh oui. Il y a pas un artiste que tu suivais et qui t'inspirait vraiment, qui te donnait ce goût aussi d'embrasser cette carrière ? Bon, bien sûr, on suit beaucoup d'artistes. On suit beaucoup d'artistes, mais ce n'est pas eux qui nous inspirent. C'est Dieu qui nous inspire, qui nous donne des inspirations divines. Voilà. C'est un peu ça. 17 titres disponibles sur les plateformes de streaming de Elle, Chéribin, Chivava, il y a Je crois à l'impossible, il y a Mon Aden. Mon Aden, c'est des chansons d'amour. Bon, ça parle du mariage, ça parle de... Ça parle de quoi en vrai? Ça parle de comment je suis lié à Dieu. Ah, ok. Oui, Aden, okay. Donc c'est du genre médecine comme ça. Les médecins vont bien comprendre ce qui signifie Aden. Ouais, bien sûr. Et oui. Ah. Et voilà, là tu parles comment est-ce que tu es lié à Dieu? De quelle manière tu es lié à Dieu, si tu peux nous répondre? Et en fait, je suis lié par Dieu, premièrement par sa parole. D'accord. Et c'est pour cette raison que j'ai illustré dans la chanson, j'ai dit que je fais partie de lui. D'accord. Je parle son langage, je suis tiré de lui. Donc tout ce que moi je suis, c'est lui, il est, en fait. Moi et lui, on fait seulement un. C'est ça. Bon, il y a un peu la romance, mais ça parle que c'est, de Dieu, ça parle seulement de ton amour avec Dieu. Et oui. Et puis après. Comment je suis lié à lui. Voilà. Et parce qu'il t'a choisi. Bon, tout ça. Voilà. Tout ça fait partie. Voilà. Tu m'as choisi aussi, c'est un titre. Oui, c'est un titre. De cet album. Oui. Ça revient toujours. Ça parle toujours de cette manière dont l'Éternel t'a choisi. Et oui. Il m'a choisi dès avant la fondation du monde, il m'a aimé, ouais. Tout ça. Et en fait, tu retrouves un prisonnier de Christ. Prisonnier, voilà. Prisonnier de Christ, cela veut dire que je suis... Donc, c'est lui qui m'a emprisonné dans sa cage, en fait. Ouais. C'est lui qui me protège, c'est lui qui est tout pour moi, en fait. Mmh. Et oui. Et quand on est prisonnier de Jésus-Christ, directement, on devient un Adam restauré. Adam, ouais, Adam restauré, là dans cette chanson j'explique comment l'Adam qui était auparavant, ouais. Il avait perdu ses pouvoirs. Alors moi, je suis un Adam qui est restauré. Je viens de retrouver ces mêmes pouvoirs qu'il avait perdu, les titres des propriétaires incontestables. Là tu parles de toi? Oui, c'est moi l'Adam restauré. Nous sommes des Adam restaurés. Comment devenir un Adam restauré? En fait, c'est quelque chose que je peux expliquer comment. Du genre, donc le pouvoir que Dieu nous a confié au début, quand Adam était dans les jardins d'Éden, Dieu lui avait confié des pouvoirs. Alors, tellement que les serpents avaient séduit, il avait séduit Ève. Et Ève, ils étaient tombés avec Adam. Ouais. Alors, il avait perdu ces titres-là. Alors, Dieu avait promis, il a dit, je vais ramener ces titres dans les derniers jours. Je vais, mes enfants, en fait, les chrétiens, ils vont avoir ces pouvoirs-là. Et, alors, et vous avez ce pouvoir. Eh oui. Le pouvoir de la création, le pouvoir de tous les pouvoirs en fait, ce qu'Adam avait. D'accord. Et oui. Voilà. C'est vrai, c'est un très bon album. D'ailleurs, je vous recommande cet album, Je crois à l'impossible de El Chéribin. Tu vas voir l'album qui est maintenant disponible. Il y a pas mal de titres. Il y a Les Saluts, il y a Mouchindi, il y a Leader Prophète, il y a C'est Dieu qui est fort, il y a Sapé Mentour, Na Sepe Linayo. Dieu se relève, mon réconfort, il y a le message m'a honoré, il y a ce qui me manque, il y a né, voilà, il y a Ngolou, il y a aussi ne faillira jamais, il y a mon refuge, donc voilà, il y a pas mal de chansons dans cet album, donc je vous recommande l'album Je crois à l'impossible qui est maintenant disponible sur toutes les plateformes de streaming. D'ailleurs, je suis en train de suivre l'album sur mon Spotify, donc vous pouvez aussi retrouver cet album sur Spotify. Alors, mon ami Chéribin, eh oui. Est-ce que vous pensez présenter officiellement cet album? Je suis en train de réfléchir comment présenter ça vraiment officiellement. D'accord. Jusque-là, il n'y a pas cette précision par rapport à ça? Non, il n'y a pas cette précision. Mais est-ce que
tu te rends pas compte que tu étais vraiment égoïste dans cet album, de réaliser 17 chansons, zéro collaboration. Tu trouves pas que c'est une façon aussi d'être égoïste? En fait, vous voyez, quand on fait des collaborations, cela veut dire qu'on est dans le même, donc longueur d'onde, vous voyez. C'est pourquoi je ne voulais pas faire des collaborations, parce que chacun a sa manière de concevoir sa carrière. Si je dis que je veux faire une collaboration, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui m'a inspiré de faire cette collaboration. Parce que je me rappelle, avant même de faire mon album, j'ai fait quelques singles. D'accord. Et j'avais fait une collaboration avec un ami, il s'appelle Zach Le Rossignol, ouais. Il est ici à Goma. Et on avait chanté Ami Fidèle, ça se trouve dans mon compte YouTube. D'accord. Et la chanson, et on était inspiré quand on s'est rencontré. D'accord. Et on avait dit vraiment on doit faire cela. Alors découvrons Je crois à l'impossible en exclusivité sur Zone Art Télévision. Écoute, la personnification. Donc prenez juste un moment d'accompagner la chanson, d'accord. Il a choisi ses moments. Je crois à l'impossible, je crois à l'impossible, je crois à l'impossible, je crois à l'impossible. Il m'a dit non, 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 ne crains pas mon fils, tout ce que tu as besoin, je te l'ai donné. Il m'a dit non, 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 ne crains pas mon fils, tout ce que tu as besoin, je te l'ai donné. Je crois à l'impossible. Je crois à l'impossible. Je crois à l'impossible. Il m'a dit non, 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 ne crains pas mon fils, tout ce que tu as besoin, je te l'ai donné. Il m'a dit non, 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 ne crains pas mon fils, tout ce que tu as besoin, je te l'ai donné. Abraham cria l'impossible pour voir son fils Isaac. Malgré que la promesse avait déjà duré, mais tu es le Dieu de ta parole, tu ne mentiras jamais. Jairis cria l'impossible, sa fille ressuscita. Tu ramènes le mort à la vie par la foi. Pierre, pêcheur de poissons, tu déclaras, il sera pêcheur des hommes. Parce qu'il avait crié l'impossible, tu as rendu tout possible à celui qui croit. Je crois à l'impossible qui est maintenant disponible. On découvre également mon ADN. On écoute. De moments difficiles, quand j'ignorais qu'on partage le Maden. Avant la création, après la création, j'étais en lui. Quand l'eau et le sang ont été tirés de lui, j'ai enfin vu le jour. Je suis son image, je fais partie de lui. Je parle son langage, je suis tiré de lui. Je porte son empreinte, mais comment sont aussi les siens? Les soufflets de vie qu'il me prête, je guère celui qui les tient. Mon ADN, mon ADN, mon ADN, mon ADN, mon ADN. Là qui s'appelle Nanga, Jésus ma référence. Lakisa Ponanga, Jésus ma référence. Lakisa Ponanga. Mon regard n'est pas fixé à quelqu'un d'autre que lui.
Mon allure, mon humeur ne font rayonner que lui. Même si je suis dans l'angoisse, il m'a mis ici sur toi pour procéder. Il m'a vu dans sa préscience, il m'a dit je viendrai te sauver. Oh, j'irai plus que lui, sa lumière brillant en moi. Je ne m'en fais même pas, car lui et moi nous sommes ensemble liés pour toujours. Ça, c'est mon ADN disponible. Alors, un petit message aux gens qui ont bien accueilli votre album, je crois, l'impossible. Merci. Un petit message aussi. Donc, vous allez lancer deux messages. Un message aux gens qui ont bien accueilli l'album et puis un autre message pour les gens qui n'ont pas encore écouté cet album. Eh oui. Bon, en fait, ce que je peux lancer aux gens qui ont écouté cet album, je peux d'abord dire premièrement que Dieu leur bénisse par ses chants, que ces chants puissent changer quelque chose dans leur vie, ou bien comprendre, de augmenter à leur connaissance et pour aller de l'avant et arriver à croire. D'accord. Et pour ceux-là qui n'ont pas encore écouté les morceaux, je les invite à les écouter pour être bénis, parce que c'est une bénédiction. Et c'est pas seulement pour moi et pour tout un chacun de nous. Voilà, l'album est disponible sur les plateformes de streaming. Et oui. Voilà, partout c'est El Sheriban. El Sheriban, tu vas voir. Voilà, sur YouTube aussi. YouTube, ça sera disponible pour bientôt. Mais votre chaîne YouTube, c'est toujours El Sheriban, tu vois, oui. Il y a aussi, pour quelqu'un qui veut peut-être vous appeler, vous encourager et tout, il y a un numéro à contacter. Oui, c'est mon seul numéro, mais juste que. Sur tes plateformes, on peut retrouver un Gmail, tes adresses, oui. L'adresse adresse Gmail, peut me contacter sur, il peut voilà. M'écrire sur Gmail, ça c'est plus mien. Bon alors, vous pouvez donner votre adresse mail. C'est cheriban.chiv@gmail.com. Un plaisir de partager ce petit moment avec vous, Cheriban. Vraiment, moi aussi. J'espère qu'après la sortie peut-être de certains clips, vous allez revenir encore. Et oui, j'y viendrai pour les pourquoi clips. Pourquoi pas nous faire un petit live de cet album. Vraiment, c'est ça. Très impatient. Je pense à ça bien. Voilà, merci. Alors, Cheriban, très très bon album. Un album magnifique qui est même disponible sur sa chaîne. Sur ses plateformes de streaming. Donc, allez s'y plonger dans cet univers qui vient pour de créer l'univers des... je crois à l'impossible. D'ailleurs, je suis fan de cette chanson. Donc, faites comme moi, allez découvrir cet album qui est disponible partout. Sinon, on se retrouve à la prochaine. Et pensée spéciale à Trésor Abi qui est derrière cette caméra. Je pense qu'il va prendre du temps pour écouter cet album parce qu'il sait que cet album va vraiment le changer. Sinon, on se retrouve à la prochaine. On est ensemble.